Max, bienvenue en Italie. Ça y est, c'était un peu l'expédition pour rejoindre Claude et Steph, mais j'ai réussi. Après un jour, une nuit de trajet, bus, train et galère à vélo, voilà, je suis ici avec eux et c'est parti pour 4 jours de folie et de réussite en espérant que ce soit la dernière fois que mon vélo crève. Premier col pour Anne-Laure. Bon, alors finalement, on n'a pas réussi à démarrer. Alors on pousse. Ah, on a réussi! Piacevano le salsicce, mo non le mangi più. Ti piacevano le ciliegie, mo non le mangi più. Ti piaceva fare l'amore a tutte quante l'ore. La vita bella, perché non torni più. La vita bella, perché non torni più. Ti piaceva pan di cardo, ti piaceva pasta e fagioli. Ti piaceva la tua famiglia, ti piaceva i tuoi figlioli. Ti piaceva la festivalo, ti piaceva andare a cavallo. La vita bella, perché non torni più. Allora, Romeo! Sur ce coup-ci, c'est vraiment fini? Je crois. Bravo! Alors Claude, on est tout en haut? Presque. On est à plus de 800 mètres. Claude nous a fait une fausse joie. Mais non, mais pas du tout. C'est pas moi qui ai le téléphone, je peux pas savoir si on y est ou pas. On est reparti. Oui, alors sans grande surprise, mon vélo a lâché, enfin en partie. Le guidon s'est cassé. On n'a pas vraiment le matériel, on n'a pas de guidon de rechange comme ça sous la main. Donc grâce à Steph et Claude, on se retrouve. J'ai un guidon qui normalement va tenir jusqu'à ce que j'achète un guidon. Voilà. Donc on ne sait pas trop quand, on ne sait pas trop comment. Mais avec le sourire, tout se passe bien. Toujours. Surtout qu'on a réussi à arriver en haut. Ah oui. La vita bella, perché non torni più. La vita bella, perché non torni più. Monore vedi più, ti piaceva il profumo di fiori, monore senti più, ti piaceva stare a guardarli sorre quelle se tu filmare, la vita vera, perché non torni più, la vita vera, perché non torni più. Voilà la merde.
merveilles de technologie. J'ai pu adapter un panier à hauteur. Enfin bon, comment dire, c'est vachement mieux. Il brille, voilà. Je vais être beaucoup plus haute, mieux assise, tout ça. Alors merci la réparation, mais hop là, j'en veux plus. J'ai gardé la chambre à air pour le soutenir. Puis au cas où s'il y a un autre truc qui casse. deuxième matin. Aujourd'hui, c'était, enfin cette nuit, c'était le grand luxe. J'ai pas eu froid. Grâce à Claude et Steph qui m'ont tout prêté. J'ai bien dormi. Je suis quand même un petit peu fatiguée. La journée s'annonce moyennement difficile. A priori, pas autant qu'hier, mais voilà, ça va être quand même encore quelques montées. Bon, on va y aller tranquille, hein. Tout va bien se passer. Et puis, vu que le fait qu'ils ne pleuvent pas. Ça continue. Salut à tous! Ça y est, donc on est à la mer, c'est trop bien, il fait trop beau, il y a un soleil de malade. Ouais, bon, c'est un peu le brouillard, mais c'est l'objectif là, que ça cause l'appareil. C'est pas du tout ce qu'on est en train de vivre. D'ailleurs, je suis en maillot, ça se passe trop bien. Pour de vrai, c'est un peu humide. Et alors, la super nouvelle du coup, c'est que bah, on va dormir à l'hôtel ce soir. Et ça, je suis trop contente. Oui, parce que j'en avais un petit peu marre de l'humidité. Au niveau de la pédalade, c'était super parce que c'était beaucoup plus plat, tranquille, vitesse de croisière, on a bien roulé, on a fait une belle performance, je crois qu'on est aux alentours de 60, 70 km, je sais plus. Donc c'est cool, il nous reste 28 jusqu'à Ancône, un peu plus. Et j'ai pour l'instant survécu et le vélo aussi. Aujourd'hui, pas de soucis. Attends, il reste encore quelques kilomètres, mais ça c'est bon. Voilà, donc à demain pour de nouvelles aventures ensoleillées. Ça y est, il fait enfin beau. Je suis trop contente. Et on voit la mer, elle est bleue maintenant. Je suis née avec mes lunettes de soleil. J'ai commencé avec mes lunettes de soleil, je suis née avec mes lunettes de soleil. Et Claude répare encore le vélo d'Anne-Laure. Non, il répare pas, il a juste un petit détail que. Parce que je trouvais que j'avais pas fait beaucoup chier ce matin. Piaceva il panni caldo, ti piaceva pasti fiaggiori, ti piaceva la tua famiglia, ti piacevano i tuoi figlioli, ti piaceva fare l'amore a tutti quel tenore. La vita vera, perché non torni più? La vita vera, perché non torni più? La vita vera, perché non torni più?